Salut, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui, pour vous changer les idées, je fais un rhum arrangé. Un rhum arrangé au melon. Le truc que vous avez sûrement mangé tout l'été. Et bah c'est pas fini, car vous allez voir qu'on peut aussi le boire. On va passer à la préparation. Alors, pour la préparation, c'est simple. Vous avez besoin d'un melon qu'on va venir couper en deux. Et on va retirer les graines. L'astuce pour diminuer le temps de macération, c'est d'acheter un melon, de le laisser quelques jours de plus au frigo et après on prépare. Ça nous fait gagner une quinzaine de jours. Maintenant, on va le couper en tranches. Ensuite, on retire finalement la chair. Ensuite, on vient les couper. Petit bout qu'on va venir mettre dans notre jar. On n'oublie pas la cassonade. Dans cette préparation, on mettra 4 cuillères à soupe. Et le meilleur moment, le rhum. Là, on n'hésite pas, on met tout. On referme. Alors, dans 15 jours, je retire les melons, je mets en bouteille. 15 jours plus tard, on peut le boire. Donc d'ici un mois, il est bon. Voire 15 jours, on verra, on goûtera dans 15 jours. On le remue après tous les jours pour mélanger les fluides. Et on est bon. Voilà, vous avez vu que c'est très facile de créer cette merveille. Hâte de le goûter d'ici un mois, comme je vous ai dit. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, partager en masse. Ça me fait super plaisir chaque fois que je vois un partage. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour les plus curieux d'entre vous, ne quittez pas la vidéo. Une petite séquence spéciale avec le lapin vous attend. A tout de suite.